me fait même courir comme ça, comme elle crispée. Aïe. Alpes, si tu penses que tu vas t'en sortir, non, je te crompe. Je connais tous les quartiers, les raccourcis du quartier ici. Je vais te manquer, attends-moi. Aïe. Merde. Non, Alpes, je vais t'avoir. Attends-moi maintenant, je ne peux même pas te laisser mon argent. Merde. Je suis fatiguée. Ouf. Et quand même quoi? Blanche, tu peux pas courir avec moi. Dis Benzi. Ok. Albert. Il faut reprendre le sport. Hein. Tu me revendiques même quoi? Mon argent. Il te donne mon argent, c'est un problème. Je récupère juste mes choses. De toute façon, il fume quoi. Tu peux me racaper. Pété à l'aubé. Suzy. Oui, salut. Tu as bien dormi? Oui, très bien. Et vous? Ah, je peux pas dire que j'ai véritablement dormi parce que je pensais à tout ce qu'on s'est dit hier. Et j'étais dans cette prière-là que tu puisses changer, que tu puisses t'améliorer. Amen. Tu diras Amen quand tu auras changé. C'est ça. Tu n'as pas besoin de dire Amen là pour dire. Je t'ai dit hier. Je ne suis pas fier de toi et je continue de te le dire. Moi, j'aime les personnes responsables. Et franchement, si tu veux agir comme une irresponsable, ce sera sans moi. Tu me vois comment je vis ici seul, je te l'avais dit. La femme que j'avais m'avait déçu. Et puis maintenant, j'ai choisi d'être seul, de mener ma vie comme ça là, comme un cavalier solitaire. Alors tu es venu là, je t'ai recueilli et je souhaiterais que tu épouses mes comportements. Parmi lesquels l'honnêteté, la sincérité. La vérité, tu comprends? Je ne souhaiterais pas que tu sois ce genre de fille qui passe le temps là à toujours faire le mensonge. Je ne veux pas que tu sois une menteuse dans la vie. Donc de grâce, tu portes en toi le fruit. Ce fruit-là, on l'appelle le fruit de l'amour. Même comme toi, tu as eu la malchance de tomber sur un salopard. Donc moi, je vais partir là, je vais rapidement au travail. Et tu restes derrière, essaye de voir, je t'ai dit, ferme la porte. Tu fermes la porte, je serai là, je vais revenir. Monsieur, oui. Je tiens vraiment à m'excuser pour hier. Ma bouche vous a beaucoup menti. Ta bouche ou toi-même? Non, pas moi, mais ma bouche. Ta bouche? Oui. Okay. S'il vous plaît, monsieur, je vais vous parler, prenez un peu de personne. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne voudrais pas que tu me prennes pour un bourreau. Un bourreau. Je ne suis pas ton bourreau, je suis là juste pour te prodiguer des conseils pour ton bonheur, pour ton bien. Je ne voudrais pas que tu te retrouves en train peut-être de me faire des mensonges. Je vis avec toi avec un seul cœur. Oui, tu veux me dire quoi? Je voulais vous dire que ce que vous étiez en train de parler, vous avez raison. C'est Albert, mais je lui ai demandé de ne pas venir m'accompagner. Mais elle a insisté. Moi-même, j'étais dépassée. Jusqu'à j'ai dit que Monsieur Rob va se fâcher. Albert rentre. Je ne veux pas avoir les problèmes avec Monsieur Rob. Il ne m'a pas compris. Maintenant, je suis là dans les problèmes. Bref, Monsieur Rob. Toi, tu l'as vu où? Puisque tu étais censé être à l'hôpital. Toi, tu as vu Albert où? Quand je rentre, c'est comme s'il a même une caméra de surveillance sur moi, Monsieur Rob. Moi, je suis dépassée. Écoute, ton affaire avec Albert ne concerne que toi. Je t'ai dit, quand on veut quitter quelqu'un, on lui montre véritablement qu'on veut le quitter. Si Albert a le courage jusqu'à ce jour de pouvoir venir vers toi, de pouvoir t'approcher, de pouvoir continuer, soit à te menacer ou bien à faire de toi sa propriété, c'est juste parce que tu es faible à son endroit. Parce qu'en toute honnêteté, si Albert vient vers toi et que tu ne veux pas, il y a même des gens qui passent là en route, tu te mets à crier. Hein? Et quand tu vas crier que non, Albert, Albert, laisse-moi, les gens viendront et puis voilà, il va te laisser tranquille. Mais si jusqu'ici, Albert a le courage d'arriver où tu es, c'est parce que tu es facile à son endroit. C'est tout ce que je peux te dire.
Je disais aussi que je dois finir ma lettre. Il y a encore des choses que je dois acheter. J'ai même d'abord une question à te poser parce que là, je ne vérifie rien depuis. Tu sais, tu sais tout au moins ce que je te donne de l'argent de temps en temps pour que tu partes acheter des choses, non? Mm-hmm. Et j'achète tout, tout. Tu achètes? Mm-hmm. Parce que moi, je ne voudrais pas vivre avec toi comme si j'étais ton gendarme. Hein. Donc, dans tous les cas, je te fais confiance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui manque? Tu veux quoi maintenant? J'ai besoin d'argent. Il me faut encore la valise et le séchoir. Et bébé chéri. Les bébés chéris, c'est quoi? Ce sont les ensembles comme nos nouveaux-nés. Les trucs qui sont souvent là comme les, comme les grenouillères? Non, est-ce que les docteurs demandent souvent les grenouillères? Les ensembles qui chauffent... Les pulls là avec les bas? Oui, comme cricotes là. Ah, d'accord. Quand je suis allée faire l'échographie, elle m'a demandé 5. Qui a demandé 5? Docteur. Attends, c'est le médecin qui détermine le nombre de bébés chéris que tu dois acheter. Et si maintenant tu n'as pas les moyens, tu fais comment? Non, c'est comme si je connais que j'ai les moyens, que vous avez les moyens. Et tout ça là, ça fait combien? Tu as essayé de calculer? Oui, monsieur, c'est ça qui est calculé toute la nuit. Ça fait combien? 250 000. Qu'il faut encore pour acheter 5 bébés chéris? La valise. La valise? La valise qui combien comme ça? Ça part avec les 40 000. Et c'est le séchoir qui coûte... Il faut, monsieur Abate vous explique, il faut la valise qui va porter le bébé chéri. Il faut la valise qui va porter le biberon. Mais dis donc qu'il faut les valises. Attends, il faut combien de valises à la fin? Même gros 4 ou 5 000. La valise qui va porter quoi, quoi et quoi? Les sous-vêtements du bébé, les couches, les biberons et les bébés chéris. Il y a encore les grenouillères. Un seul enfant, 4 valises. Ça me dérange, père. Moi-même, j'ai posé la question là, à l'infirmière là, hier qu'un enfant. Il me dit oui. C'est comme ça. Si dans tous les cas, je suis en retard déjà. Ce que nous allons faire, j'ai mis la clé de ma chambre où je la mets d'habitude là. Mm-hmm. Tu vois, le côté droit du lit, le premier coffre dessus là, il y a je crois 115 000 dedans. Tu vas prendre 100 000 francs là-bas et puis voilà, tu essayes d'abord de voir ce que tu peux rester acheter. Vous allez me donner le coca. Finis d'abord avec ça, je vais voir. Ok, ce n'est pas un problème, faut, je vais arriver à la banque là, je vais voir quoi faire. Mais je t'ai dit, achète tout ce que je te demande d'acheter. Ce sera important pour toi parce qu'avec le temps, même quand tu vas encore accoucher, tu n'auras plus besoin vraiment d'acheter d'autres choses. Tu pourras te servir de ce que l'autre bébé mettait parce que tu auras beaucoup de choses. Tu comprends? Mais je continue de te dire, évite Albert. Évite au maximum Albert. Parce qu'Albert, c'est la seule personne qui peut faire en sorte que je me sépare de toi. Je n'aime pas avoir affaire aux irresponsables. Et celui-là, il m'a démontré moult fois qu'il ne peut pas changer. Donc, moi, je vais m'en aller. On se voit à mon retour, d'accord? Ok, n'oublie pas, il faudra fermer la porte. D'accord. Non, plus que tu restes fermé la porte. Tu ne pouvais pas me donner tout l'argent là maintenant. Quelqu'un là, il a l'argent, mais il veut jouer au jeu. Voilà maintenant Albert là-bas, il n'a même pas de quoi manger. Mais je lui ai donné rendez-vous aujourd'hui. Il arrive là d'un moment à l'autre. En tout cas, il va d'abord venir prendre les 100 000 là. C'est même que l'histoire, ça. J'espère que quand tu vas rentrer le soir, tu vas passer à la banque, tu me donnes le reste d'argent. Albert! Ne tente même pas le courisme qui est avec toi! Ne tente même pas! Viens ici! Viens ici! Ne m'énerve même pas! Donc là où tu es là, respecte tout ce que je viens faire là maintenant, même si je te casse ça sur la tête, assume! Donne-moi mon argent! Albert, donne-moi mon argent, ne m'énerve même pas. Donne-moi mon argent. Arrête les conneries là, j'ai d'abord ça. Donc, tu me dis que tu n'es plus avec ta vendeuse de bananes là. Putain, vous continuez de vous voir, n'est-ce pas? Tu m'as menti. Tu sais pourquoi je fuis? Pourquoi? C'est pour un coup de pied là. Dis-moi. Parce que tu es stupide. Tu es malade. Dans ta tête là, c'est la bougie. Donc, je t'accrape, tu m'insultes. Quand tu m'as vu, elle faisait quoi? Elle a tenu comment? Je tiens que le vous amouraché. Amouraché. C'est la vérité, je vous ai vu depuis. Vraiment. Quand on est stupide.
Tu vois comment c'est toi. Mais continue même pas, je te rappelle. Ouais, calme-toi là-bas. Mais évite de doser ça. Tu vois ta... Attends, tu vois ton argent, non? Je veux mon argent. Calme-toi alors. 110 000, je veux mes 110 000 maintenant si je ne te laisse même pas partir. Sinon, je finis avec ta race. Attends, tu as quand même 110 000 chez moi. Ce n'était pas une promesse. Tu es malade. Une promesse, c'est plus quoi? Non, tu penses que tu montais sur moi pour rien? Ne m'énerve même pas, je veux mon argent. Tu vois, quand on veut t'expliquer quelque chose, tu ne me laisses même pas. Tu veux m'expliquer quoi, Albert? Qu'est-ce que toi, tu peux m'expliquer que je n'ai pas encore compris de ta sale bouche là? Je vais là-bas, non, sinon tu vas encore fuir. Et ne laisse pas mon caillou. Ça va. En tout cas, laisse-moi ça parce que ça me fait mal. Non, il fallait continuer d'arrêter ça. Et dans Bivou. Tu m'appelles Bivou, que? Tu m'appelles Bivou, n'est-ce pas? Je veux mon argent, je ne suis même pas en train de blaguer. Donc je te donne mon argent, tu peux acheter les couches de ta, je ne sais même pas comment appeler la sorcière là. N'est-ce pas? Avec mon argent. Donne-moi mes 110 000, Albert, j'ai calculé, ça fait 110 000. Et je t'avais dit ça depuis. Tu m'as dit que oh, ton boss va bientôt rentrer, que je passe, j'ai un gros patienté. Donne-moi mon argent. Maman Blanche, vous avez l'onction de la pauvreté à votre famille. Tu as insulté qui? Je ne veux pas que tu gifles. Et puis je te pose une question. Laisse-moi t'expliquer, non? Calme-toi d'abord. Donne-moi mon argent. Tu sais que tu avais suivi pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Tu sais bien qu'elle n'est pas excusée. Hein? Je ne vous ai pas vu hier. Là n'est pas le problème. Tu sais qu'elle lui disait quoi? Tu lui disais quoi? Dis-moi. Ok. Peu à peu, tu me lâches. Si tu fuis, Albert, si tu fuis. Pas fui. Ah. D'ailleurs, tu ne peux pas m'échapper. Voilà. Je connais tous les raccourcis d'ici. C'est bien. Je ne suis pas un enfant quand même. Tu me fasses en route pour 110 000. Hmm? Tu sais bien. Tu es incapable de donner une femme. Attends, Suzy ne vit plus avec moi. Mm-hmm. Elle ne vit plus avec toi. Elle vit avec qui? C'est par là que je devais commencer. Suzy vit avec son oncle, qui a énormément d'argent. Quand je me voyais avec Suzy, c'est parce qu'il négociait quelque chose. Tu veux qu'elle arrive à amasser beaucoup d'argent à cet homme. Tu sais bien que Suzy, mais moi je ne l'aime pas. Je suis en train de faire les cartes pour te ramener avec l'argent là. Et commencer à construire une autre truc comme je te disais. Mais bon, tu es tellement stupide quand on te parlait seulement la guerre, la vitalité. C'est comment avec toi? Ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Maintenant tu me disais que Suzy est chez son oncle et tout ça. Tu m'avais dit que tu n'es plus avec Suzy, non? Tu m'as dit ça, mais je vous ai vu hier, n'est-ce pas? Oui, tu nous as vu hier. Mais je t'ai dit, je ne suis plus avec Suzy, mais je suis avec son argent. Je ne sais pas comment tu fais les choses. Voilà que tu veux tout gâter. Tu sais qu'il est parti où là maintenant? Essaye, connais tes marges. Moi, je suis un mot froid. Elle s'est dit encore que j'ai bagarré en route. Alors qu'elle m'a donné rendez-vous pour que j'apprenne quelque chose. Pourquoi tu aimes comme ça? Donc, tu te soucies maintenant de ce qu'elle peut penser. Pourtant, tu avais seulement pour de l'argent. Je me soucie de mon portefeuille. Mon portefeuille ne doit pas souffrir. En tout cas, portefeuille ou pas portefeuille, il n'y a pas de problème, non? Ah. Tu m'as dit que tu es en train de partir là-bas, n'est-ce pas? Tu es en train de partir chez Suzy, non? Attends. Tu dis moi. Allons et t'accompagne. Bien loin, hein? Allons, je t'accompagne chez Suzy. Tu veux qu'on aille là-bas? Allons chez Suzy. De toute façon, j'ai pas de problème. On part. Et que ça crée les problèmes là-bas. Non? Tu oublies. À caler ça. Tu viens en bas. Allons-y alors. Tu viens de la maison. Marche. Marche. Écoute, ce n'est pas l'immeuble, c'est là que Rob reste. Et Lucas s'est manqué de m'amener, oui. Allons, non. C'est comment? C'est quoi? Mm-hmm. Je t'attends pourquoi? Viens-y. En tout cas, si je ne veux pas partir, je laisse. Mm. Albert! C'est quoi? Depuis un petit compas ou depuis un moment, je me suis même déjà fatigué. Pourquoi je suis là? Tu veux ton argent? Hein? Je veux mon argent, mais j'ai des choses à faire. L'immeuble-ci. Oui, l'immeuble-ci, non. Il y a quoi dedans? Ah, je demande aussi, non. Tu veux seulement me taper. Attends, tu me dis que Suzy habite ici dedans. Elle habite ici dedans. Hein? Elle habite chez qui là-bas? Ouais, Seigneur, je suis fatigué de me répéter. Elle vit avec son oncle. Son oncle. Son oncle, il est. Allons. Il est comment? On te conseille pas. Passe, non? Viens, viens, c'est quoi? Attends, non? Dame quoi, non? Viens pas! Moi, je suis déjà fatiguée, je préfère t'attendre ici. Tu as décidé de m'accompagner pour venir à sa mission. Je préfère t'attendre là, moi, je suis déjà fatiguée. Tu as quand même raison, hein? Parce que si je te vois, je passe un bac à la sortie, c'est 5 ans pour me donner. Donc, attends-moi là. On peut aussi me donner l'argent, il vient de te libérer, tu me fous un peu la paix.
Hey, hey. Albert veut me tuer. Donc Albert veut me tuer partout. Il m'amène où? Sur Rob. Hey, Seigneur, pardon, je t'en prie. Fais seulement que le diable ne me couvre pas ici. Je peux même profiter. Je l'appelle même comme je suis dans son camp. Il appelle et dit que c'est pour que le chauffeur. Laissez-le. Maintenant, ça sonne, il ne prend même pas le téléphone. Ouais, je suis montée. Albert, plus ça s'appelle, Albert veut seulement me tuer. Maintenant, il ne prend pas le téléphone. Je reste même ici là. Une de mes connaissances peut passer ici et me reconnaître. Non, mieux j'ancre, même derrière le portail, je vais me cacher. C'est qui? Albert. Entre, chérie. Attends, tu m'appelles comment là? Chérie, non. Hey, Suzy, c'est comment là? Ton tir de colère. Attends, le Féan est là. Ah, ok. Ça va. Papa te manque, non? Ok. Toujours un peu de moi, je vais aller à la cour. Oui, non. Elle veut que tu rentres à la maison. C'est pas ce que je fais, ça. C'est comment depuis le matin que tu as envoyé le message? Ça va facile. Est-ce que tu connais comme monsieur Rob nous a vu hier? Attends. Lève le toit, nous a dit comment? On m'a envoyé parler de ça. Ton tir, c'est un espion. Et tu lui as dit quoi? Oui, que ce n'était pas toi, mais finalement, j'ai avoué. Comment toi aussi? À un moment donné, quand tu vas mentir, c'est que tu n'as pas trop fréquenté. Mais ça, au moins, c'est ma... Comment le gars peut te dire qu'il m'a vu? Tu sais bien qu'on était ensemble, tu sais que c'était pas moi. Donc, il ne me connaît plus. On ne te donne pas l'occasion de m'insulter chez moi. Tu l'as acheté ici? C'est le chez moi. Donc, tu n'as plus d'intention. Même si je n'ai pas fréquenté, tu n'es pas obligé de me rappeler. Bref, je n'étais pas appelé ici pour venir m'injurer. Ça va. Non. Pas qu'il me dépend, ou c'est la famille qui te fait ça. Mais comme tu sais que j'ai faim, tu sais quoi? Faut au moins dire la vérité que oui, peut-être qu'Albert m'a arrêté en route. Tu crées un truc qui est raisonnable, à part le mensonge que tu veux créer là. Je lui ai dit que tu as trop insisté d'aller m'accompagner. Il y a ce qu'on appelle le mensonge. Tu sais, mais ce que tu as fait, c'est un mensonge inutile. Tu as laissé aller. Il fallait qu'il mente pour qu'il puisse me donner l'argent. Tu veux l'argent, non? Si je n'avouais pas, elle allait me donner l'argent comment? Attends. Tu sais comment il a crié ici sur moi? Ton sang. Ça veut dire qu'on a les 300 000 là. Hein? Mais tu parles en clair, viens te donner l'argent. Il m'a demandé qu'il faut combien. Je lui ai dit qu'il restait 250 000. Comment t'as acheté une somme comme ça? Il y en a pas de 300 000, tu avais acheté encore 50 000 comme moi. Jusqu'à nous, on a 250 000. Laisse, c'est quelqu'un qui va. Il va donner. Donc ça. Et tu penses que ce sont seulement les 200 000 là qu'il va me donner? Non, tu as pas levé 5 000 sur ma 200 000. On y est même. Tu vois comment quand on veut te parler d'école, tu es tellement embrouillé, tu ne comprends pas. Ça va, tu m'as dit. Pourquoi on a voulu te rendre? Il n'a pas donné tout l'argent, mais il a quand même dit que je prends 100 000 dans son coffre là-bas dans la chambre. Moi, c'est pour le coup, type-ci. Elles sont muscles là. C'est quoi? Il baisse son charisme comme ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Rob. Ah, comment ça? Comment j'ai pu oublier le téléphone à la maison? Ah non, il est même... Oui, c'est à la douche. J'ai laissé ça là. Non, c'est sur le lit. Tout ça à cause de Suzy qui ne cesse de m'embrouiller. Pourtant, je dois aller où je vais. Ah, vas-y, d'accord. 100 000 seulement avec tout ça. Moi, je me suis dépassée, ça m'énervait. C'est parce que tu fais des mensonges inutiles. Tu fais des mensonges inutiles sur le tour de la tête qui t'a même donné 500 000. Les mensonges inutiles, c'est qui m'a quand même donné les 100 000 là.
Ça veut dire 100 000 francs. C'est à quelque chose sur la porte qu'on traverse. Mais j'ai comme tu vois notre maison. Mentir fait transpirer. L'autre lit de 16 000 là, de nous, ça se casse. Parce que le sport qu'on fait dedans est énorme. Tu vas d'abord les 100 000 que je vais te remettre aujourd'hui. Tu cherches d'abord le moment de 80 000. Le reste, tu manges avec. Il m'a dit. Lui de 80 000, il faut voir le matériel en faire comment. C'est pour cela que je suis en train de pourquoi tu veux m'étouffer. Il m'a dit que quand il va, après le travail, il va là à la banque. C'est pour ça que je suis en train de dire que s'il rend que cela, le seul ne me remet pas les 150 000 là, je vais très mal me fâcher. Peut-être que quand il va aller déposer sa mallette d'argent là, je vais seulement porter venir te écoute, donner. Écoute, Suzy, quand je me vois là, à Bézanga, mon rêve, mon niveau n'est plus au niveau de 100 000 ou de 250 000. Tu avais ça? Non, écoute-moi, je dois construire. Et si Dieu. Pas que si, parce que Dieu a encore utilisé cet homme-là pour nous sortir de la galère. Peut-être que je suis le vois pas. C'est notre mal qui est tombé du ciel. Alors utilise ton cerveau. Quand tu veux me buter, appelle-moi, je te donne les idées. Pourquoi tu es comme ça? Mets la pression à ce type-là qui t'achète un intérêt quelque part. Que ta famille qui a abandonné dans l'enfant va faire comment? Ah, Albert, c'est son enfant. Il faut que tu sais mon qui fait à beaucoup. C'est son enfant. Et tu fais quoi ici? Tu penses que moi, je ne sais pas lire en quelle ligne? Le type là va atteindre mien. C'est juste la grossesse qui te sauve, même si tu as demandé les choses ici à la maison. Pardon. La paix est bien, Albert. Là, je la paix est bien. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est que je puisse lui escroquer de l'argent pour qu'on puisse percer. C'est ce que je dis, tout le monde parle de la même chose. On veut l'argent, je dois construire. Hein? Je sais quand tu vas me laisser en main pour manger, mais tu n'as rien fait ça. Il y a les coups de pot là-bas et il y a le vin. Je vois une bouteille ici. Depuis qu'Albert aussi est monté là-bas, il est seulement parti dormir là-bas. Ouais, moi j'ai les choses à faire. Et je ne veux même pas que le monsieur ici me trouve ici. Waouh. Eki, Blanche. Oui, monsieur Rob. Tu fais quoi ici? Monsieur Rob, vous savez que vous m'avez dit qu'on devait se voir aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venue. Mais Blanche, il fallait attendre que je t'appelle. Non? Tu ne connais pas mes programmes. Hey, monsieur, vous m'appelez comment alors que vous n'avez même pas mon contact? Ah, vous... Et puis même, j'essaie de vous appeler, ça sonne, personne ne décroche. Laisse-moi. C'est même mon téléphone là que je suis en train de revenir chercher comme ça. J'ai oublié ça à la maison. Ok, et tu es là depuis? Non, je venais juste d'arriver. Je ne sais donc pas, je vais faire comment, parce que là j'étais en train de sortir, bon en tout cas, allons, je vous laisse à la maison avec la dame qui est là-bas, vous restez, vous m'attendez, ok? Quoi? Oui, ok, j'ai mon conseil. Alors? Pourquoi tu traînes le pas? Marche un peu plus vite. Monsieur, oui. Je suis sûr que ça ne va pas vous créer des problèmes avec votre femme. Qu'est-ce qui va me créer des problèmes? Le fait de m'amener chez vous, non, alors que votre femme est là. Quelle femme? Celle qui est chez vous, non, celle qui est enceinte là. Qui vous a même parlé de ça? Allons-y, il n'y a pas de problème. Attends, tu veux plus arriver à la maison? Allons-y, c'est moi qui te dis qu'il n'y a aucun problème. Le problème à quel niveau? Ah. Bon, moi, je vais rentrer avec ça. Comment, Albert? C'est quoi? Tu défends les choses ici? Non, c'est juste que c'est pas comme ça. Je te comprends pas, tu as un pied dedans, un pied dehors. Non, moi je vais m'encourager à rentrer des choses comme ça pour que nous, on a bien sur notre maison, non. Même les plats, les verres là. Tu penses que tu me donnes pas à mettre à la maison? Nous, nous sommes là-bas, les choses luxueuses chez nous. C'est quoi? Et si monsieur Rob vient demander? Tu ne sais pas quand c'est cassé. Oh. On est bien, nous faisons faire un faute. Tu as peur de. Aïe. J'ai besoin d'avoir une femme forte. Hein. Et bah, c'est quoi? Tu es une mauvaise. C'est pas ça, mais... Regarde, le temps qu'on perd. Oh, Suzy? Oui, monsieur. Le type s'est battu pour moi. C'est qui ici? Oui. C'est qui ici? C'est l'homme. Je sais que c'est l'homme. C'est qui ici? Qui est assis là? C'est un homme. Tu fais quoi chez, tu fais quoi chez moi? Oui. Je ne t'ai même pas demandé de ne plus venir chez moi. Il fait quoi ici? Albert, c'est vrai, tu fais quoi ici? Hein? Tu es venu voir. Tu as fait quoi? Tu es venu faire quoi? Tu es venu voir mon enfant. Tu es venu voir ton enfant. Ah, ton, votre enfant. C'est maintenant que tu as un enfant ici. Et ma bouteille devait faire quoi? Tu te mets. Je l'ai regardé. Tu l'as regardé quoi? C'est hein? C'est quelqu'un dessus. Ah bon?
parle. Suzy, est-ce que tu vois comment Dieu fait les choses? Est-ce que tu vois? Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a voulu que je me retrouve en train de laisser le téléphone dans cette maison. Je t'ai parlé hier, n'est-ce pas? Je t'ai parlé tout à l'heure en sortant, n'est-ce pas? Laisse-moi. Hein? Je t'ai parlé tout à l'heure en sortant, oui ou non? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, que Albert ne doit plus venir ici là. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Tu fais quoi ici, Albert? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu me demandes de venir, mais je me demande ce qu'il fait. Attends, Albert! Ah, c'est toi qui l'as demandé. Jamais, Albert, tu manques. Tu manques. Vous savez quoi? Écoutez, ça veut dire. Oh, jeune homme, tu t'assois là, tu n'as pas encore toussé, tu n'as aucun problème. Sois même asthmatique. Oh. Donc, le chez moi. C'est votre auberge, c'est votre cours de jeu. Donc quand je ne suis pas là, tu fais appel à Albert. Ce qu'on me disait, c'est que même la petite voisine de ce camp m'a déjà dit ça, qu'il y a un garçon qui vient ici tout le temps quand je ne suis pas là. Donc Albert vient ici quand je ne suis pas là. Tu fais semblant, comme s'il y avait des problèmes entre vous, n'est-ce pas? Je pense avoir tout fait. Je pense avoir beaucoup fait pour toi, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire est simple. S'il te plaît, Suzy, c'est ici que nos routes vont se séparer. Non, monsieur, je ne veux pas. Tu vas partir où? Tu vas t'asseoir et m'écouter. C'est ici que nos routes se séparent. J'ai trop fait. Monsieur, pardon, ne fais pas ça. Je suis désolé. Ce qu'on dit habituellement. Donc, moi, je fais tout pour te donner la vie, pour te rendre heureuse. Pendant ce temps, tu avances d'un pas, tu recules de 5 pas. Tu avances de 2 pas, tu recules de 10 pas. Nous allons donc faire simple. Tu vas prendre ton chemin. Monsieur, excusez-moi un peu. Attendez. Oui. Vous aidez ma femme ou bien vous aimez ma femme, je ne comprends pas. Attends, tu poses les questions pareilles à qui? Tu poses les questions pareilles à qui? Je fais quoi avec? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai quoi à faire de votre femme? Elle me sert à quoi? Et c'est quoi cette jalousie là? Quelle jalousie? J'ai fait quelle jalousie? Quelle jalousie? Hein? Tu as le courage de me parler? Tu es assis dans mon canapé? Tu m'as parlé? Hein? Vous allez vous lever. La layette, tes choses que tu avais achetées sont où? Tes choses que tu avais achetées sont où? Je n'ai rien acheté, monsieur. J'ai gardé mon argent, c'est ici sur moi. Tu n'as pas fait quoi? Qu'est-ce que tu as dit ce matin? Hein? Monsieur, tu es allé prendre les 100 000 que je t'ai demandé d'aller prendre? Oui, je ne vais pas prendre. Hey! Tu es allé prendre? Ou tu n'as pas encore pris? Je m'en vais prendre. Tu t'en vas prendre quoi? Tu oublies. Pardon, tu oublies, j'ai dit tu oublies cet argent. Suzy. Tu es stupide comme ça. Tu n'as pas coupé cet argent. Donc tu étais au courant de cet argent, jeune homme. Tu étais au courant de cet argent. Tu étais au courant de cet argent. N'est-ce pas? Tu étais au courant. C'est l'argent qu'on devait acheter le lit. Ah. Donc pendant que vous êtes chez moi, vous achetez des choses chez lui. Elle est même où? Blanche. Blanche. Viens. Blanche. Voilà. La femme que tu disais. Tu fais quoi ici? Non, tu fais quoi ici? Attendez. Demande mon argent, je suis même pas en train de blaguer avec toi. Depuis que je suis là-bas en banque, quand tu as mon argent. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quel argent? Monsieur, c'est la femme si qui s'est envoyée. Quelle femme? La bande de pire. Tu me laisses tranquille. C'est elle. Je vais aller manger sur son argent. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je veux mon argent, Albert. Je suis même pas en train de blaguer. Oh, taisez-vous. Vous parlez de qui? Vous parlez de quel argent? Attends, monsieur, je vous explique. Oui. Quand Albert a eu le travail, ça avait ce bon repos de. Qu'elle mangeait la jambe. S'il te plaît. Blanche. Oui. Tu connais Albert? Oui. Tu me connais l'argent? Tu ne connais pas? Ok, je pas. On va faire simple, s'il vous plaît. Là, je transpire. Je peux me retrouver un homme de mon âge qui sort. Un homme de mon âge peut se retrouver dans les difficultés. De santé là tout de suite. Tu vas commencer par te lever. Je nous trouve. Laissez-nous chez nous. Commence par te lever. Allez, sortez. Tu bûches. Levez-vous, vous partez. Sortez. Sors. Je le suis. J'ai été ravi de faire ta connaissance. C'était bon. Votre amour là vraiment est très toxique. Ok. C'est quoi, Suzy? Oh. Pardon. J'en ai trop fait. Tu vas aller, tout ce que je fais, je vais te garder dans mes prières. Je n'ai plus rien à te donner. Va rejoindre la paix et continue un peu ton calvaire avec lui. Tout ce que, il n'y a rien à prendre là-bas. Hein? Qu'est-ce que ici? Ferme la bouche. J'ai voulu te tirer des couloirs de l'enfer. Mais tu ne fais que t'enfoncer. Oui, tu te mets, donc tu es toujours dans le gouffre de la souffrance. Lève-toi s'il te plaît. Ou alors levez-vous. Rejoins ton abbé. Pardon. Oui, levez-vous.
Alessi, s'il te plaît, je ne compatis plus à rien. Un malo n'est pas malo, s'il te plaît, viens sortir. S'il te plaît, je ne veux pas savoir, vas-y, va rejoindre Albert. Et toi de ton côté, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Tu connais Albert comment? Je veux la vérité. Je veux surtout la vérité. Tu connais Albert comment? Tu ne veux pas me dire? Je te pose encore cette question là. Tu connais Albert comment? Il m'avait fait la cour. Albert t'a fait la cour? Oui. Où tu sortais avec Albert? Je veux que tu me dises la vérité. Je suis sortie avec lui. Tu as couché avec lui? Une seule fois. Ok. Même si c'était seulement un bisou, tu as péché. Tu sais quoi? Tout ce qui concerne Albert, je ne veux plus rien avoir avec. C'est bien. Oh! Dieu lui-même, il a voulu. Je comprends pourquoi, depuis que j'ai eu à te remettre ma carte de visite, les choses vont à gauche, vont à droite. Tout est difficile. Ce que tu vas faire, tu vas sentir. Je remercie Dieu qu'il n'y ait rien eu entre toi et moi. Monsieur Rob, tu ne me touches surtout pas. Tu ne me touches pas. Monsieur Rob. J'ai dit, tu ne me touches pas. Tu le prends ton chemin et tu t'en vas. Tout ce qui concerne Albert, je ne veux plus rien avoir à cirer avec. Ok? Toute personne qui a même seulement lui à saluer Albert. Toi quoi? Toi quoi tu apprendras à être moins bordel? Vas-y là-bas, va les rejoindre. Merde, tu es grand, hein? Tu es vraiment très grand. Hey! Donc pendant que je ne suis pas là, hein, c'est la vie que Suzy menait dans cette maison. C'est quel amour toxique ça? C'est quoi ça? On va aimer les gens, on les aime jusqu'où? Hein? Donc dès que je sors, elle fait du chez moi, son lupanard. Ma maison, c'est leur auberge. C'était bon comme ça. Même Dieu au ciel ne pourra pas m'en vouloir. J'ai trop fait. D'abord, même si tu as laissé un vêtement de bébé ici, je vais prendre tout ça. Je vais même donner dans des associations caritatives ou même dans un orphelinat. Regarde comment elle me fait transpirer. On est où là? Plus jamais. Aider les gens, même là. Franchement, il faut réfléchir avant. Quel amour toxique ça?